Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va regarder comment équilibrer le DJI Ronin S. C'est parti! Avant de commencer, on fixe le plateau ainsi que le soutien d'objectif. Attention que celui-ci reste optionnel suivant la taille et le poids de votre optique. Première étape, le réglage de l'inclinaison. Bougez d'avant en arrière votre caméra jusqu'à ne plus obtenir d'inclinaison avant-arrière. Dès que vous sentez obtenir un centre de gravité, resserrez l'écrou de sécurité. Suivant la compatibilité de votre caméra, n'oubliez pas le branchement du câble vous permettant le contrôle du follow focus. Deuxième partie du réglage, balancez verticalement la caméra afin de repérer son point d'équilibre. Déplacez d'avant en arrière la fixation afin d'obtenir un équilibre parfait, peu importe son angle d'inclinaison. Revérifiez cette deuxième étape en inclinant la caméra sous différents angles et vous assurant que celle-ci ne bouge pas. Deuxième étape, l'axe du roulis. Vérifiez son degré d'inclinaison gauche-droite en ajustant horizontalement la fixation. Ajustez celle-ci jusqu'à trouver le point d'équilibre vous permettant de garder stable la caméra, peu importe son inclinaison. À nouveau, un bref contrôle sous différents angles vous assurera un réglage parfait. Troisième étape, l'axe panoramique. Ajustez d'avant en arrière la fixation afin d'obtenir un équilibre parfait. Vous pouvez vérifier celui-ci en inclinant votre Ronin S. Si votre caméra vient à pencher, vous devez revérifier celui-ci en ajustant à nouveau la fixation. Effectuez un nouveau contrôle en inclinant votre Ronin S. Votre caméra doit s'assurer d'une stabilité parfaite, ne penchant ni à gauche ni à droite. Mettez à présent le Ronin S sous tension, nous allons vérifier son auto-calibration. Appuyez simultanément sur le bouton M ainsi que la gâchette durant 3 secondes. Le Ronin S devrait commencer son auto-calibration et être prêt à être utilisé. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Comme vous le savez, le but de la chaîne, c'est de vous mettre à disposition du contenu en français. Moi, quand j'ai réceptionné le Ronin S, je n'ai pas trouvé d'informations sur Internet qui expliquaient comment correctement équilibrer le Ronin S en français. Donc, je me suis dit, autant publier une petite vidéo qui certainement pourra en aider d'autres qui se sont retrouvés dans le même cas que moi. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et surtout, de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus !